dans Demain nous appartient, Jessica soupçonne une autre personne d'être responsable de son harcèlement. Soici que vit une vive déception. Alex en apprend plus sur la situation compliquée de Bruno. Mardi 23 avril 2024 dans Demain nous appartient. Damien examine l'estrade du défilé de Jessica et constate qu'elle a été sabotée. La police apprend que Charles s'était chargé de la location de cette installation. Victor arrive et demande aux policiers s'ils ont bientôt terminé car il a peur que cela fasse mauvaise presse à son domaine viticole. Jessica parle avec Charles et le soupçonne d'avoir saboté l'estrade. Il le prend mal et lui répond qu'il n'a rien à voir avec ça et qu'il cachait juste le fait d'avoir repris la cigarette. Elle lui demande pardon, mais il est blessé. Demain nous appartient en avance, Basile lance une nouvelle attaque contre Jessica le matin, Diego amène Maud au lycée avec Chloé et l'aide à descendre de la voiture avec ses béquilles. Damien passe voir son frère et lui parle de l'estrade. Charles réagit mal, puis se confie à son frère sur sa dispute avec Jessica. Cette dernière va au commissariat et quand elle examine les objets retrouvés sur la zone du défilé, elle reconnaît un morceau de chemise qu'elle avait offerte à Basile. Roxane découvre ensuite que l'ex de Jessica a menti sur son alibi de randonnée en Corse. Alors qu'elle s'apprête une fois de plus à annuler le défilé, Sarah lui promet une surveillance policière et la convainc de maintenir. Charles revient et Jessica lui présente à nouveau ses excuses. Le défilé se lance, quand Sarah remarque un jeune homme portant une capuche et allumant des feux de Bengale. Demain nous appartient en avance, Soicic déchante face à François Soicic charrie François sur le restaurant qu'il a soi-disant réservé pour ses collègues, et il finit par avouer que si est pour eux deux. À l'hôpital, Nore et Victoire accueillent Soicic avec des pétales de fleurs pour fêter son futur remariage. Puis, Adam offre à sa mère une photo en noir et blanc d'eux avec François. Elle est très touchée. Au Spoon, François offre à Soicic une enveloppe dans laquelle se trouvent des billets pour une croisière romantique, spécialisée pour les lunes de miel aux Seychelles. Mais elle déchante vite, quand elle comprend qu'il n'a pas l'intention de la redemander en mariage. Demain nous appartient en avance, Alex apprend la situation de Bruno. Bruno croise Agnès au Spoon et la remercie pour son cadeau. Chloé arrive et les interrompt. Agnès lui explique pourquoi elle lui a offert une bouteille de champagne. Chloé lui apprend que Bruno a eu des problèmes avec l'alcool et qu'il vit avec son fils. Mais Agnès lui répond qu'elle a vu Bruno dormir sur la plage. Oma, Alex vérifie les affaires de Bruno qui confirment qu'il dort dehors. Il en parle plus tard à Bruno et lui propose de l'héberger, mais le père de Nathan refuse. Karim vient chercher Ryan devant le lycée, et quand il salue Agnès, elle l'ignorait. Just me.